Salut, allez, petite vidéo sur Gran Turismo 7 pour vous faire un petit peu le récapitulatif de ce qui vient d'arriver en version 1.31 sur la mise à jour donc de GT7. Alors je vais faire ça assez rapidement, je ne sais pas si c'est un format qui vous intéresse énormément, parce que bon, ça a déjà été fait par pas mal de monde, hein. Je n'ai pas l'occasion de sauter sur la mise à jour pour vous faire tout de suite une review, donc on va essayer de parcourir un petit peu ce qu'il y a dans le changelog et puis faire quelques essais sur les trois véhicules des cinq proposés gratuitement pour vous montrer un petit peu ce que j'en pense. Allez, on va tout de suite aller voir la bande-annonce. Allez, donc c'est parti, j'essaierai de faire des pauses au moment opportun. Donc cette update de mars donc présente deux versions différentes de la Nordschleife et du Sprint, l'Audi RS5, la Mazda 3X, la Porsche 959, la Carrera GTS toujours chez Porsche et enfin le Toyota Alphard Executive Lounge 2018. Ça, vous en douterez bien, je ne vais pas le tester. Donc celui-ci et la précédente, je ne vais pas les tester. Les deux véhicules qui pour moi n'ont rien à faire dans un jeu de course. Alors attention, ne vous méprenez pas. Je sais très bien qu'il y a une histoire d'amour entre Gran Turismo et l'automobile, mais pour moi ça n'a rien à faire là. Ça fait plus partie de la collectionnite. Donc moi personnellement, sur un circuit de course, ça n'a pas sa place. Donc je laisse ça à ceux qui veulent vous faire une review là-dessus ou une présentation. Moi je le ferai pas. Je vous montrerai un petit peu les trois autres véhicules qui sont un peu plus typés dans l'ADN de la course. Donc on est parti sur du 120 FPS au niveau du flat, hein, je ne parle pas du PSVR 2, mais sur écran, donc c'est une belle avancée. Et voilà en gros les avancées et le contenu qu'il va y avoir en tout cas dans cette update de mars. On va essayer de trouver, c'est le changelog complet du jeu pour voir un peu ce qu'il y a dedans, parce qu'il n'y a pas que du contenu. Et je rappelle encore une fois, c'est du contenu gratuit. Alors je suis pas en train de critiquer qu'il y a deux véhicules qui pour moi n'ont rien à faire là, c'est juste que il faut être tolérant, il y en a pour tout le monde. Moi c'est des véhicules qui ne me correspondent pas forcément, mais en tout cas c'est gratuit et c'est, il faut l'avouer, l'un des seuls jeux qui permet d'avoir autant de mises à jour avec du contenu gratuit. Ça, faut pas l'oublier. Le jeu, on l'a payé une fois. Après, le reste, bien sûr, il faut farmer pour acheter les véhicules. Et on peut passer à la caisse si on veut pour avoir plus de thunes et de caillasse rapidement. Mais en tout cas, pour le contenu qui est proposé, c'est gratos. Bon, alors allons voir au niveau du changelog vite fait. Allez, sans rentrer trop dans le détail, donc le changelog, on revoit donc la véhicule. Alors là, c'est tout ce qui a été ajouté donc comme contenu, on retrouve donc forcément les nouvelles voitures, les 5 nouvelles voitures gratuites, je répète. Ensuite, les deux ajouts de layout au niveau de la piste du Nürburgring. Derrière, on a les nouveaux événements donc qui sont liés à ces petits ajouts. Le 120 Hz, comme je l'ai dit, en version flat. Les nouveaux scapes donc pour faire les photos, l'ajout de scénario pour le GT Café et une grosse partie physique, donc là les suspensions qui ont été modifiées, le modèle de pneus également, donc ça rajoute un peu de précision au niveau de la physique des véhicules, l'aérodynamique, le système, je pense, anti-patinage. Il y a également des choses qui ont été modifiées au niveau des contrôleurs, donc de la manette, des aides à la conduite, on voit juste en dessous. Et puis d'autres petites choses aussi également du niveau du mode sport, des prix lors de victoires. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses dans cette grosse mise à jour. Allez, c'est parti. Premier véhicule que l'on teste, donc ce sera l'Audi, la R5 Turbo DTM, donc version 2019. Alors, pour être totalement transparent, j'ai essayé de faire un comparatif qui se fait sur PC. Juste pour voir en termes de modélisation et voir l'ensemble, mais j'ai pas trouvé cette version 2019. Je crois qu'en Sim Racing, c'est la seule Simu qui permet d'avoir cette version spécifique, vous voyez, avec le petit rétro sur le côté. Donc, modélisation vraiment super, super bien faite. J'ai remarqué que c'était vraiment exactement le même que ce que j'avais pu voir en réel. Par contre, bien à savoir, c'est que j'ai trouvé que le modèle physique était un petit peu trop facile à conduire. Alors je m'explique, peut-être trop d'appui, trop facile à prendre dans les virages, énormément collé au sol. Mis à part ça, au niveau du son, je trouvais ça très bon. Au niveau de la modélisation, très bon également. Petite particularité, il y a le DRS. Alors, on peut enclencher, même en course, j'ai l'impression, assez facilement. Il faut pas forcément suivre quelqu'un, il n'y a pas de notion de distance, donc ça fait un petit peu particulier. Là vous voyez le petit ACT, c'est-à-dire que le DRS est actif sur le tableau de bord. Et j'ai trouvé qu'en fait l'IA, j'ai l'impression, encore une fois, dites-moi si je me trompe, que l'IA ne l'a pas. J'ai fait l'IA en moyen et en difficile, j'ai l'impression que l'IA n'a pas
ce DRS. Bon, alors c'est parti avec cette Porsche. Bon, comme je l'ai souvent dit, hein, malheureusement, là il y a un problème d'échelle, clairement. Regardez-moi ce volant. Il est juste immense, immensément trop grand. Alors la boîte à linge fonctionne. Alors pour l'instant, je vais pas trop la pousser. Mais ça a l'air de... Wouah ! Ça a l'air... Maintenant, ça s'ouvre un peu. Ouais, ça part un petit peu aussi. Hop. Je croyais avoir peut-être un peu plus de mal au niveau du freinage, mais ça a l'air d'être assez correct. Là, bah, ça se place pas trop mal. On peut la mettre légèrement en dérive. Ah, la troisième n'est pas passée. Donc j'essaye juste de trouver un petit peu les limites de la voiture. Vous voyez, hop. J'ai beau essayer de la placer. Elle a un petit peu de mal à tourner quand même. Elle est un petit peu lourde. Voilà. Ah, on a du mal à récupérer le grip. Hein. Non, non, j'ai pas réussi. Je vérifie juste quelque chose. Bizarre, il y a du TC quand même là-dessus. Traction control sur cette voiture, sur cette Porsche. Un petit doute. Bon, sinon, à part ce problème d'échelle, je la trouve vraiment sympa. Oh, je vais bien la mettre en défaut. Hop. Ici peut-être. Oh là oui, je crois que je suis large. Même pas. J'ai pas réussi à la mettre en tête à queue. Allez, là on va essayer d'y aller franco. Ouais, je suis large.
J'ai réussi. Allez, on est parti sur la voiture suivante. Allez, on est donc sur le dernier véhicule, cette Carrera. Bon, là encore une fois, hein, c'est un volant de camion, je suis désolé. Alors, je sais que les anciens volants, les anciennes véhicules, l'ancienne voiture était assez gros, mais là c'est un petit peu exagéré. Encore une fois, si je me trompe pas, il y a du TC, c'est pas possible ça. Ah, on en apprend, hein. On en apprend tous les jours. Donc on va au freinage que comment ça se comporte. Je pensais que les rétros, oula, allaient être un peu plus compliqués à gérer, mais ça va, c'est assez lisible. Bon, ça freine ah, pas trop mal, mais alors. Compliqué à gérer. Et la prise de virage, elle est un petit peu compliquée également. Il n'y a que 5 vitesses. Ouais. Bon, ça roule quand même, hein, honnêtement, par rapport à l'année de la voiture. Perte d'adhérence. Faut que je vérifie à chaque vibration vibreur, j'ai l'habitacle qui vibre. Je sais pas si c'est spécifique à la VR, mais un petit peu bizarre. Honnêtement, elle est pas trop piégeuse, hein. C'est assez safe à conduire. Il faut se méfier, hein, toujours le train arrière qui veut essayer de passer devant. Ça se conduit assez facilement. Il y a du freinage quand même. Ah. J'ai failli me faire surprendre. Allez, on va finir là-bas sur la chicane, pas la peine de vous faire trop de tours, c'était juste pour vous présenter un petit peu. Avec les pieds de travers comme ça. Quasiment 250. Allez! Vous voyez, ça tremble un peu. Je sais pas si vous le verrez sur le retour vidéo. Peut-être un petit bug, j'en sais rien. Voilà, en gros, je vous laisse là-dessus. Je vous reprends tout de suite après.
Bon, et bien voilà ce que je pouvais vous dire sur cette mise à jour du mois de mars de GT7. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de format vous intéresse, si c'est trop long, si vous avez déjà vu ailleurs et que ça vous intéresse pas forcément d'avoir sur la chaîne hein, ces présentations de mise à jour. Moi en tout cas, ça a été intéressant de tester les voitures incluses. Alors à payer certes, hein, il y avait du 1 million, j'ai dû fermer un petit peu et faire quelques courses que je n'avais pas encore faites. Donc du coup pour moi c'est pas forcément du temps perdu. Mais voilà, j'aime bien avoir votre retour concernant ce genre de format. Allez, moi je vous laisse là-dessus sur ce bon contenu, sur cette petite course, en tout cas juste un aperçu d'une course que j'ai faite en Audi, et on se dit à une prochaine. Tchuss.